Ah, c'est toujours important de s'hydrater. Yo les fous, ici Zach de retour pour la suite du jeu Colat. J'espère que vous fassiez une excellente journée ou une excellente soirée. Alors, comme d'habitude, je compte sur vous pour me bombarder les likes, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou de partager la chaîne et d'activer la cloche si vous souhaitez recevoir des notifications lorsque je fais des lives. Du coup, j'ai réussi à passer le chemin qu'il y avait le monstre qui me bloquait la dernière fois. Je m'en ai rendu exactement où après qu'il m'a bloqué le chemin. Alors ici, j'ai découvert ça. Alors on avance. C'est parti. Les fous, c'est parti. Y a rien ici. Y a rien ici. Rien dans cette zone, on continue. Avançons dans l'aventure. Quelle est cette aventure? C'est quoi ça? Il s'agit d'une ville fermée dans l'obstacle de Tomsk en Russie, en située à 15 km au nord-ouest de Tomsk sur la rive droite de la rivière. Elle est entre la Les mains de Razaton, l'agence, l'idéal d'enfant d'homme, 1959. Elle est connue sous le nom de Piatti-Pouti, la cinquième postale. La statue de la ville lui a été accordée en 1956. Elle comprend plusieurs réacteurs nucléaires et usines chimiques pour la séparation de l'enrichissement et le retraitement d'uranium et de plutonium. Le quartier général de l'unité de recherche sur les phénomènes naturels appelée unité soviétique de recherche jusqu'en 1991. Les activités de l'unité consistent à faire des recherches sur les catastrophes naturelles qui se reproduisent en Russie. C'est au nord-ouest, ils disent. On doit prendre le nord-ouest, mais on n'a pas de carte. Donc on doit retourner sur nos pas, c'est ça? Je suis où là? What? Je suis un peu déstabilisé là. Où suis-je? Putain, il fait tellement noir dans le jeu. Et ça, à quoi ça prend? Je vais vous faire revivre en enfer. Oh shit! Quoi ça? Bordel de merde, je pensais là-bas. Oh mon dieu, c'est quoi tous ces bruits? Encore, encore, encore. Bordel de merde, c'est quoi ça? Ih! Ça tremble. C'est à gauche ou à droite? Je pense que c'est à gauche, hein. Donc le village est trouvé là-bas. J'entends une cloche là-bas à droite, étrange. On va faire le tour ici. Putain, mon personnage est fatigué, il va falloir avancer. Non, y'a rien ici. La merde, je suis perdu, moi. C'est quoi ce jeu là avec un putain de jeu en labyrinthe? On va suivre le son. Le son va où?
J'arrive, le son. Je suis où? Bordel de merde. Ah! Là-bas, je vois l'église. C'est ce bâtiment que je voyais au loin. J'arrive. Ah, je suis dans le bon chemin. C'est parfait, ça. Au moins, on est sur des pattes perdues. Mais à l'entrée de l'église, est-ce qu'il y a des monstres bizarres que j'ai rencontrés tout à l'heure? Ça serait vraiment. Tabarnak! Mon cœur! On se m'a vu, je vais pas avoir une mauvaise rencontre. Tout va bien pour le moment, je cours. Oh shit! Je pense que c'est la bonne direction pour rentrer dans le bâtiment. Ah, je suis dans la bonne direction. Nous avons découvert les premiers corps près des sapins. Un feu de camp improvisé indiquait qu'il avait essayé de se réchauffer. Le corps était en sous-vêtements uniquement. J'ai décidé de fouiller le fond en cours de la zone située entre la tente et la limite des arbres. J'ai découvert les autres corps, chacun séparé. Cela pour dire que la menace était partie. Le groupe avait décidé de retourner à la tente où l'inverse, quelqu'un ou quelque chose était apparu dans la forêt et avait contraint les victimes à courir à ce stade. Il est difficile de déterminer ce qu'il s'est passé exactement. J'ai ramassé des petits échantillons de tous les corps pour faire des recherches approfondies au laboratoire de l'unité. J'ai parlé à la situation avec les autres membres de l'équipe de secours. Ensuite, ils se sont concentrés sur l'examen visuel et la tente dans la zone. Bon. Bon. D'accord. C'est quoi cette musique triste? C'est l'autre chose dans le bâtiment, non? Je pense que c'est pas mal fini. Alors je devais aller voir ce qu'il y avait ici, mais il n'y a rien. C'est juste dévasté. Là-bas, il y a le chemin qui continue avec la lumière rouge étrange, que je sais pas trop c'est quoi. Bien. Du coup, je remercie à tous ceux qui ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes des vrais. Alors sur ce, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Ça me ferait plaisir de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'activer la cloche si vous souhaitez recevoir des notifications. Sinon, partagez la chaîne, car ça ne grandit pas toute seule. Sur ce, passez une excellente journée ou une excellente soirée. Ici Zach. Ciao, ciao, les fous.